Did you get that? Strange Stuff and Funky Things proudly presents... Attention, la vidéo qui va suivre contient du sexe et des cadavres. Vous inquiétez pas, il y a quand même des petits chats. Question du jour. Le lion, le roi de la jungle, monarque des animaux, féroce prédateur, despote dominateur, le lion, en fait. Est-ce que c'est pas juste un gros chat? Ben c'est vrai, un chat, un lion, finalement, ça a grosso merdo la même tronche. Quand on veut savoir qui est plus proche de qui en termes d'espèce, connaître leur relation de parenté, on utilise un arbre de parenté, donc, qu'on appelle en fait un arbre phylogénétique. Ça permet par exemple de se rendre compte que les lions et les chats sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont d'un chien, d'un pigeon ou d'un géranium. En effet, les lions et les chats sont des félidés. Ah, on me dit que des félidés, en fait, il y en a plein, et hyper différents. Ok, voyons voir. Ok, j'ai compris, il y en a plein. On va dire 41 espèces au total. Et si on les met dans un ordre phylogénétique pour voir toutes les relations de parenté? C'est bien ce que je craignais. Les chats ont en fait l'air d'être plus proches des guépards, des lynx, des pumas que des lions. Comment on sait ça? On utilise plein de...